Une petite présentation de l'endroit où j'habite, la Casa del Turismo à San Francisco de Cunguachai. Bienvenue à la maison. Rentrons. Et prenons directement sur la gauche les escaliers pour monter à l'étage où nous habitons. Sur la droite, la cocina, cuisine. Sur le mur du couloir en face de la cuisine, il y a différentes plaques d'information sur les environs en général. Première porte, à droite, la chambre du padre. Deuxième porte, la salle informatique. J'ai pris la photo depuis les fenêtres qui donnent dans le couloir. Troisième porte, le salon. Avec son inestimable cheminée. Sa télévision et son coin lecture. Et la seule plante de la maison. Très verte comme vous pouvez constater. Ensuite, il y a les deux dortoirs. De chaque côté du couloir et entre les deux, une salle de bain. Dans chaque dortoir, il y a des armoires que l'on peut fermer à clé et un bureau. Le côté gauche du couloir avec ses fenêtres et le côté droit avec ses décorations faites par Marielle. Nous allons prendre la porte juste à droite, rentrer dans une grande pièce qui sert un peu de débarras et dans laquelle donnent nos deux chambres à Marine et moi. La photo de la porte de la chambre de Marine. La photo de la porte de ma chambre. Et ma chambre. Notez la différence entre les deux photos. Là, le lit n'est pas fait. Là, le lit est fait. Je me suis bien installée avec toutes mes petites photos. Et cette chambre est vraiment mon petit coin. Notez le paysage par la fenêtre, rien que de la campagne. Ensuite, on ressort de la pièce dans laquelle donnent nos chambres, et juste à droite, il y a le petit couloir qui donne sur les toilettes, le petit coin lavabo, et la douche. Hop, on reprend le couloir dans l'autre sens. Et juste à la droite, les escaliers donc, qui donnent soit au rez-de-chaussée, soit sur la terrasse. La terrasse et sa vue magnifique sur le village, les montagnes alentour. La terrasse et son coin pour laver le linge. Charmant. Il y a aussi une petite salle de réunion. Et pour finir ce film, deux petites vues sur les deux volcans qui règnent ici, le Tungurahua et les Altars. Le Chimborazo n'est pas visible et est derrière la colline. J'espère que ce petit film vous aura donné envie de venir me voir.